Te voilà. Il va falloir qu'on se batte. Yeah.
servir de cette arme si j'arrive à la prendre.
dois me tenir prête. Tuez cette machine! C'est votre PDG qui m'envoie. Je dois parler à Alva. Entre vite, alors. Ouvrez les portes! Étrangère! Par ici! Aloy! Par ici! Ça va? Ça ira. Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Vivterre. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord. L'échange a été tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Aloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà! L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobek a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole, j'en suis ravi. Thèbes n'attend plus que nous. Tu es prête? Sacrée excavation. Une grande partie était inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Voilà la porte de Thèbes. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Farrow. L'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobek. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte, et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins, pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobek. Vous permettez ? Pharaoh, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Ils ont peut-être servi à la construction. Ou... aux servants. Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais je... Ouais. Je peux les attendre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez, avec Sobek, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer.
C'est chaud. Regardez ça. C'est énorme. Et ça continue jusqu'à tout à l'heure. Pouvoir rentrer par là. J'ai arrêté la turbine. Thank you.
sortir entre les colonies. On dirait une salle de sport. Et me revoilà cachée dans la salle de gym, à écrire pour essayer de garder la raison. Je n'arrive pas à croire que Grégory soit mort. Notre prétendu chef spirituel était en pleine forme hier et il s'est éteint subitement dans son sommeil. Et personne ne veut en parler avec moi. Il me traite comme une gamine. Il chuchote dans mon dos comme si j'étais incapable de faire face à la mort alors que le monde s'est éteint. Alors Ted avait d'autres personnes avec lui ici, dont une adolescente. Une pièce de vie. C'est plutôt grand. C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou, et appelons un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliard. Cette fille a raison. Ted n'a rien de normal. Je sais que tout le monde est ébranlé par le décès prématuré de Grégory. C'était un homme très pieux qui n'avait pas peur de regarder ce que bien peu de gens osaient regarder. J'ai demandé au docteur Somptov de chercher ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'il avait une sorte de malformation ou de maladie. Le plus important, c'est que même s'il nous manque beaucoup, nous continuerons. Tout ira bien. Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas. J'espère que ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les Quen. Regardez cet endroit. C'est plutôt classe pour un bunker. La plupart des femmes de Ted me dégoûtent en fait. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna... La plupart des femmes de Ted me dégoûtent, en fait. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna, Lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille avec moi. Et j'adore sa voix. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Elle sait quelque chose. J'en suis sûre. Et je ferai tout pour trouver quoi. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. Messieurs de secours, activez. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il ? Le PDG se prépare à entrer dans Thèbes.
Oh, pourquoi t'es déguisé en tête Pharo? Je suis Pharo. Je suis revenu. Mon essence est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations, son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage, tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ses secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharo, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était, car Pharo, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres, c'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharo, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte. Comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue? Comme il est Pharo, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme? Non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai? Bon, je vais la mettre, votre tenue. Regardez cet endroit, quelle splendeur. Le domaine de Pharo. C'est un... Bel souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharo. Allons les trouver. Votre magnificence, nous devrions peut-être laisser des gardes surveiller la sortie. Oui, qu'il en soit ainsi. Dire que tout ceci a traversé. Visage de Pharo, un monument à sa grandeur. C'est bien un monument à quelque chose, je te l'accorde. Pour la postérité. Brianna m'a dit que Grigori avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube Zéro. Est-ce que Ted aurait puni Grigori? Il l'aurait tué à cause de ce qu'il a trouvé? C'est impossible. Papa a dit qu'il n'y avait aucune marque sur le corps de Grigori. Son cœur a lâché subitement. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai pas encore tout compris. Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps.
Ça a l'air assez menaçant. Ah, des statues. Les gardiens du domaine de Pharo. Ce ne sont pas des statues. Attention! Faites sortir le PDG! À nous de jouer, Jean-Pierre. Merci. Où est le gouverneur Bohai? Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Ne pouvons nous permettre de perdre d'autres devins. Bon, assez traîné. Nous devons poursuivre. Oui, on dirait que c'est par ici. Trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il? Désolé, PDG. Je ne sais pas. Mon focus ne peut pas lire de données. C'est notre ancêtre vivante. Les données lui sont-elles cachées aussi? Je crois que tu devrais scanner cet appareil, Aloy. Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ça n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon, si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok, ou si mes collègues étaient là, ou juste ma réserve d'alcool. Arrête, il faut rester optimiste pour Kanya. Tu as vu quelque chose, je le sais.
Les données expliquent-elles comment Faro se servait de cet appareil? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon? Il pourrait être encore en vie? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous, pour les Quen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais, peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Faro. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. Ces secrets attendent.